Alors. Voilà. Bonjour. On espère que ça va prolonger, qu'on pourra vraiment recommencer nos activités. Alors, le fait que nous avons proposé, là, on est dans le courant, le monde de la courant, continue de changer. Je vais essayer de vous rappeler que quelques 18 ans, j'étais en Afrique, en Amérique, en Israël. Merci, merci d'avoir invité. Oui. Amen. Amen. Bonsoir. Donc, effectivement, c'est un thème, un grand thème. Mais je vais l'aborder justement à partir de la paracha de Korach. On a une tradition de Rabbi Barka et d'autres que tous les péchés, entre guillemets, que le peuple d'Israël a pu commettre pendant l'Exode, pendant la période où il était dans le désert, et même plus tard, principalement dans le Chumash, sont en vérité des retours, ou plutôt des transfigurations du péché qui a été fait par toute l'humanité au niveau du peuple d'Israël. Il y a plusieurs exemples. Hein. La fête du veau d'or est rattachée à la fête de Adam Harishon. Texte explique le lien. Il y a dans la faute une sorte de similitude entre Sodome et Gomorre et Korach. On ne comprend pas, c'est comme ça que d'ailleurs, Marc le dit, Vaïkar Korach, il dit en Kolos, Vaïd Paleg. Vaïd Paleg, allusion à Dora Palaga. On ne voit pas du tout le rapport. Et il y a aussi d'autres textes qui font un rapport entre Sodome et Gomorre. Alors que tout le monde sait que Korach était un kadosh, bien sûr qu'il y a eu une petite inclinaison plus profond de l'inconscient, qui rendait sa démarche pas cachée, mais c'était absolument à des années-lumière d'une faute aussi grossière que, en tous les cas, Sodome et Gomorre. Dans la Palaga, c'était plus compliqué, il y avait plusieurs niveaux d'interprétation à moi. Mais le problème, ce n'était pas une révolte contre Dieu, c'était une révolte contre Moïse. Alors, la notion de ces fautes qui ont été faites au niveau de l'humanité, elles sont en vérité, quand on les étudie, beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus profondes que juste des fautes. Par exemple, Sodome et Gomorre n'était pas juste une faute, et on pose la question, parce que c'était pas des Juifs. Ils ont été punis pour ne pas avoir, pour avoir interdit la Zdaka, par exemple. Un goy n'est pas obligé de faire la Zdaka. Mais on dit qu'il y a des choses, et c'est un des grands fondements de la Torah, il y a des choses, c'est la Gemara dans Souka. On va se disperser un peu au début, mais on va arriver à l'unité. La Gemara pose la question, d'où est-ce qu'on sait qu'une Souka doit faire dit tfahim, mais la Gemara apporte la notion du Aaron à Kodesh qui faisait 9 plus 1 plus la caporette, ça faisait 10. Et la Gemara dit que la Shrina n'est jamais descendue en dessous de 10.
Et un homme n'est jamais monté au-dessus de 10. Ça veut dire qu'un homme n'est jamais monté en dessous. La Gemara apporte des preuves de Moshe en dessous de 10. D'Eliyahu HaNavi en dessous de 10. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une humanité, aussi haute soit-elle spirituellement, ne peut pas s'échapper du champ humain. Et l'intervention divine est intervention divine, mais elle n'est jamais l'éclat absolu du divin. Elle est toujours captée à travers le filtre d'une conscience humaine. Il n'y a pas une méritza. Alors cette méritza peut être cassée à partir de rapports qui sont la prière, l'étude, l'amour. Mais il n'y a jamais une équivalence. C'est une grande faute qu'on pourrait faire. Il n'y a jamais une équivalence entre la divinité elle-même et la perception de la divinité. Et la Gemara amène tellement, pousse tellement, refuse tellement dans la Kushia ces concepts de séparation qu'elle dit, mais on voit très bien que oui, il y a intrusion de la divinité dans le monde. Elle dit non, c'est la chaise qui est la chaise, comme tout le monde le sait. Qui sait, c'est toujours la Hanaga, c'est-à-dire là, comment Dieu dirige le monde. Elle pousse, elle fait des creux, elle est perceptible. Et c'est une Gemara extraordinaire parce qu'elle répond à un très grand problème, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais qu'il faut quand même aborder, qui est le problème du rapport à la conscience de Dieu. Un vrai hérétique pourrait venir vous voir, vous dire, mais Dieu est infini. On comprend rien à Dieu. Donc, comment tu sais qu'en mettant les tefillin, tu fais sa volonté? Qui te donne l'orgueil de te prévaloir de connaître la volonté de Dieu? Alors, nous, les religions répondent, mais il nous a ordonné. Ça répondra en rien. Ça répondra en rien. Il t'a ordonné, d'accord, d'où tu sais? Comment il peut y avoir une relation entre l'infini et le fini? Comment il peut y avoir une relation entre un ordre, ça veut dire quoi, un ordre divin, quand l'ordre est complètement compris de façon anthropologique par l'homme? Ça veut rien dire que quelque chose, dans la vision même très limitée de l'infini qu'on a de Dieu, une volonté est pratiquement incompréhensible. Parce qu'il y a une volonté, c'est toujours quelque chose qui répond à un besoin, qui répond à un manque. Il n'y a pas de manque chez Dieu. Donc on comprend rien. Donc pourquoi tu fais? La réponse est cette voix. Oui, on comprend rien. Oh, non! Tu ne pourras jamais arriver là-haut. Mais les signes sont là. Il y a quelque chose qui nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est le bien et le mal. Même si on ne peut jamais arriver objectivement dans le haut, en bas, on peut savoir que ce que l'on fait, c'est bien et pas bien. C'est en réalité toute la thématique du livre de Job, qui est extraordinaire ce livre. Tout le monde connaît l'intervention de ces livres. Une histoire incroyable, au point qu'il y a une certaine ville Agmara qui dit que ça n'a pas existé, c'est un machal. On n'a jamais dit sur route ou sur Esther, c'est un machal. Parce que l'Agmara parle d'êtres qui sont des catégories spirituelles. Netzar, c'est Moshe, Malchut, c'est David, Yosef, c'est Nessor, etc. C'est des catégories. Yob, c'est pas une catégorie, c'est une sougia. Comment est-ce que le problème du mal, bon. Et il a fait, Dieu dit au Satan, va voir s'il y a du mal, il trouve aucun mal. Mais il va l'éprouver. Et les amis de Job viennent et lui disent, écoute, 1 + 1 = 2, hein. Dieu est juste, tu es en train de souffrir, donc tu as fauté. Il lui répond, moi je sais que j'ai pas fauté. Un autre qui vient lui dit une pensée très moderne. Il lui dit, qui te dit que le mal c'est bien, c'est peut-être que souffrir c'est bien. Il dit, ah oui, alors j'allais frapper mes voisins, je leur casser la figure parce que c'est bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, Dieu s'adresse à un des 4 qui était un prophète et il lui dit, c'est lui qui a raison, pas vous. Ça veut dire que, et c'est un fondement important, c'est-à-dire qu'un homme doit savoir que même s'il ne comprend rien de la pensée infinie de Dieu, il peut comprendre qu'est-ce qui est bien et mal, et qu'est-ce que Dieu veut et ne veut pas. Au point qu'il peut comprendre, parce qu'il y a cette intrusion en négatif du divin dans le monde, mais qui n'est pas une intrusion, mais qui est des signes, et qui façonne une conscience qui te permet de te relier au divin sans l'accaparer. Sodome et Gomorre vont être punis parce qu'ils ont interdit la Zaka, parce qu'ils ont fait des actes affreux, bien sûr. Mais ils avaient une idéologie derrière. L'idéologie, c'était de dire, un homme est à l'image de Dieu. S'il est à l'image de Dieu, il doit s'autosuffire. La tzedaka, c'est une perversion de l'humanité.
C'était un capitalisme. On n'est pas tellement loin hein, du capitalisme. Le capitalisme sauvage, ou même le capitalisme tout court, pense que l'essence même de l'homme est s'assumer économiquement. Et d'ailleurs, une partie de la halakha le reconnaît, puisqu'on dit qu'une des al tistareh les briotes, même pour Shabbat, il y a une notion de dignité humaine, de ressembler à Dieu, de t'auto-suffire. Ça, c'est pour toi, pas pour l'autre. Quand l'autre a besoin, tu es obligé d'aider. Donc, il y a une fermeture, une sorte de tautologie. C'est pareil pour la faute qui a été faite d'Or HaPalagah, d'Or de la tour de Babel, la tour de Babel, où l'homme a voulu dire Dieu, c'est très bien. Nimrod, comme son nom l'a été, un révolté, mais la Gemara elle dit, mais qui est de Konov et Mordo? Il connaît Dieu, il se révolte. C'est le panache des vrais rachaïm. Le vrai rachat, il a du panache, sinon c'est un pauvre type, c'est pas un rachat. Il sait que Dieu existe, mais alors, je suis un homme libre, j'ai été créé à l'image de Dieu, je fais ce que je veux. Un peu comme dans Don Giovanni, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très belle image à la fin. Don Giovanni, la statue qui va le tuer, elle arrive, Don Giovanni, fais tchouva! Et lui, quand il a mangé à bord du mar effrontément, je ne ferai pas tchouva, je ne plierai pas à la peur. Don Giovanni, tu vas mourir! Glorieusement, il meurt, il va mourir, il va brûler en enfer, ça ne va pas le sauver. Hein. Mais au moins, il a du panache. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit, je suis un homme à l'image de Dieu, je suis autosuffisant. Non, ce n'est pas l'humanisme. Non. L'humanisme, c'est l'inclinaison des rapports verticaux à l'horizontale. Mais ce n'est pas forcément une négation, il y a plein d'humanistes qui sont déistes. Ici, c'est dire une autosuffisance de l'humain. Une autosuffisance de l'humain parce que l'humain a tout en lui. Et que Dieu existe ou pas, ça n'a aucun intérêt pour moi, parce que ça, il est au-delà de toute compréhension. Et donc, je m'auto-bâtis à partir de la divinité du Tselem Elohim qui est en moi. C'est de ça dont il s'agit quand on fait la tour de Babel. Ce n'est pas des histoires de construire des tours. Eh bien, Korach, il rétablit dans le peuple d'Israël le même péché. Mais en le sophistiquant, puisque c'est le péché qui reconduit au cœur même du monde de la Torah. D'où les questions qu'il pose à Moïse. Si on a un talit tout bleu, est-ce qu'il y a besoin de Sissi? Tout le monde connaît, c'est Midrashim. S'il y a une maison pleine de Sefer Torah, est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza? Si je suis plein de Torah, j'ai besoin d'une kippa. Si je suis plein de Torah, je pense qu'à Dieu toute la journée, moi. Je mets la kippa pour me rappeler que Dieu existe, c'est ridicule. Je pense à Dieu toute la journée. Vous allez mettre une kippa sur la tête. La Torah, l'endroit en plus de Sefer Torah, il y a besoin d'une mezouza. Et Moïse ne peut pas répondre. Moshe ne répond pas. Il est bloqué par la question. Moshe Rabbeinu, l'homme le prophète le plus grand de tous les temps, est bloqué par une question. La première est simple. Est-ce qu'on peut arriver à l'autre? Et c'est ça, on va y arriver en 2 minutes, c'est ça la problématique de l'art et de la beauté. Mais avant d'arriver à la problématique de l'art et de la beauté, finissons avec Korach. Ça veut dire qu'on est ici dans une question fondamentale qui est à l'actif du renégat à 2 niveaux. Un, la divinité est tellement extérieure. Si tu penses le monothéisme, la théologie négative et le monothéisme radical, sans rentrer dans un anthropomorphisme enfantin où tu vois un dieu avec la grande barbe et tu projettes ton papa et ton grand-père et ton rabbin dans le bon dieu que tout le monde connaît quand on prie le bon dieu nous, mais tout le monde sait que ça n'existe pas ce bon dieu, il est bien au-delà de tout, même c'est pire, on n'a pas le droit d'avoir de représentation du bon dieu comme ça. Et ça, c'est donc un point, donc on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. Et deux, je suis beaucoup plus proche de la divinité qui est en moi que des images religieuses extérieures à moi. Donc, Korach dit à Moshe, on est tous, Kulam Kdoshim, on est tous saints, on porte tous en nous. On n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de rabbin, on n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin de mezouza, on n'a pas besoin de fil du tzitzit bleu pour rappeler que le ciel est bleu et que Dieu est dans le ciel, parce que moi, je suis tout bleu. Alors, où est la faute?
Où est l'erreur? Quelqu'un a une idée? Vous faites de l'inter. Non, 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 moi je ne parle pas de la kina, on parle justement d'ici. La kina, c'est l'inclinaison intérieure la plus profonde qui était le fait que sa pensée n'était pas claire. Il aurait été 100% sincère, il aurait peut-être été puni, mais pas de la même façon. Ça, c'est un autre problème, c'est un problème, ça, de Moussa. Là, on parle d'un problème d'idée. Au niveau de l'idée, où est-ce que ça blesse? À première vue, il a raison, non? Alors, regardez. Moïse, il dit, s'il meurt d'une mort, et comment il meurt? Il meurt que la terre lui-même le prend. Oui, tout à fait. Et pourquoi il a fait ça? Quand Dieu crée le monde, il se passe deux événements extraordinaires avec les anges. Il y a un premier élément où les anges disent: pourquoi tu crées l'homme? Il demande à des anges, alors discutons-en, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Une partie des anges, ils disent, Ibaré, crée l'homme. Une partie des anges dit, Alibaré, ne crée pas l'homme. Ibaré, Alibaré, l'ange de l'amour dit, crée l'homme, il est capable d'amour. L'ange de la Zdaka, il dit, crée l'homme, il est capable de Zdaka. L'ange du Emek, il dit, surtout ne crée pas l'homme, il est cool au Sheker. L'ange du Shalom, il a dit, surtout ne crée pas l'homme, il est cool au Ptata. Deux juifs, trois synagogues, surtout pas. Ibaré, c'est intéressant, regarde ce midrash, parce que il y a des hommes qui sont capables de haine. Il y a des hommes qui ne mentent pas. Donc pourquoi? Donc ontologiquement, essentiellement, un homme qui n'est pas capable d'amour, c'est un homme qui dénature son humanité. Un homme qui n'est pas capable de zaka, c'est un homme qui dénature son humanité. Quelqu'un qui est colérique, belliqueux, c'est pas bien, hein, c'est pas bien du tout. Mais c'est humain, trop humain. Un homme qui baratine un peu marseillais, qui dit pas, c'est pas bien, mais c'est humain, trop humain. C'est pas une dénaturation, c'est une imperfection de l'humain, mais c'est pas une dénaturation de l'humain. Comment? Le plus grand mérite, c'est le seul point de liberté, de libre arbitre qu'on a, c'est d'inventer son identité qui est déjà existante avant, ou bien de la vie. C'est la nature du vieux vin qui est du raisin. Vous avez été créé avec des qualités, avec un but, avec une espérance qui est votre essence. Mais ce n'est pas une essence donnée, c'est une essence que vous devez acquérir. La plus grande, la seule liberté qu'on a, c'est celle-là. On n'a pas d'autre liberté. Tout le reste, c'est déterminé. Comment vous êtes formé, comment vous êtes belle, comment vous n'êtes pas belle, comment vous êtes intelligent, pas intelligent, comment vous êtes fort, pas fort, l'horloge génétique, tout est là. La seule liberté, c'est est-ce que je passe ma vie à nier de pourquoi j'ai été créé, pour consommer de la peur ou de la crispation angoissée, de la crispation identitaire, ou tout ce que vous voulez, ou bien j'accepte l'intrigue de pourquoi j'ai été créé. C'est la seule liberté. Donc c'est le plus grand mérite. Mais en tous les cas, Dieu dit, il va. Et au milieu de la discussion, Dieu crée l'ange. Dieu crée l'homme, pardon. Et il dit aux anges, pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il dit, Nassé Adam et Sabbénou, Altikra Nassé, Lanassa, Nassa, Gvar. Nassé Adam et Sabbénou, Altikra Nassé, Lanassa, Nassa, Gvar. Bon, le village est très beau, mais on peut poser une question légitime. En disant, pourquoi Dieu convoque une discussion? S'il n'entend pas, il ne respecte pas, il ne permet pas à cette discussion d'aboutir. C'est comme si je vous disais, j'achète cette maison, vous me dites oui, je vous dis non, je vous dis oui, non, à la fin je dis, moi j'ai déjà acheté, qu'est-ce que vous allez me dire? Pourquoi tu me demandes? Pourquoi Dieu fait ça? Quelqu'un a une idée ou pas? Pourquoi ça montre la liberté de créer? Peut-être, ouais, vous pouvez dire ça. Quelqu'un a une autre idée? Non? Bah, c'est très simple. Le Maharal de Prague dit, parce qu'en vérité,
Cette discussion, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez des oreilles prophétiques, vous entendez en haut, vous avez des anges qui disent Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré, tout le temps, tout le temps. Quelqu'un, il dit de la Shonara, de la médisance, Alibaré! On n'a jamais vu une baleine dire du mal de sa copine. C'est affreux, affreux, affreux. Ne crée pas l'homme. L'homme est une horreur. Un homme est capable de donner une partie de sa nourriture à celui qui a faim. Ibaré, on n'a jamais vu un chien qui donne de la nourriture à celui qui a faim. Ibaré, et donc qui va justifier de Ibaré, va Ibaré? Qui va le justifier? Qui? Nous-mêmes. Et c'est le fondement métaphysique de la liberté. Sans ça, il n'y a pas de liberté. Si Dieu avait décidé de pas nous créer, bon, ce n'est pas là. S'il avait décidé de nous, c'était bien de nous créer, on n'aurait plus aucun sens comme homme libre. On serait comme les anges, comme les animaux, comme les pierres. C'est bien que ça soit créé, très bien. Alors, bon, ben, on n'est pas des hommes. On a décidé pour nous que ça valait le coup de vivre. C'est pas libre. Le fondement crédible de la liberté, c'est quand la pertinence de ton existence dépend de toi, de ta liberté. Et c'est toi qui, à chaque instant, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. C'est le fondement métaphysique, spirituel, absolu de la liberté, du libre arbitre. Dieu continue et veut donner après la Torah aux hommes. Et les anges disent, mais tu vas donner ton sceptre aux hommes. Ils vont la piétiner, la Torah. Ils vont l'utiliser, ils vont l'instrumentaliser, ils vont en faire de la politique. Ils vont la mentir, ils vont la tricher, ils vont la tuer. Surtout, donne pas la Torah aux hommes. Et Dieu, il prend la Torah, et il la jette sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Emet mi eretz tismar. Or, quand vous n'avez pas de tableau ici, quand vous écrivez Emet mi eretz tismar, faites-le chez vous, Emet. Et mettez les mots l'un après l'autre, l'un sur l'autre, Emet mi eretz tismar. Vous allez voir qu'on peut lire le verset de tous les côtés, ou bien Emet de façon horizontale, Emet mi eretz tismar, mais on peut lire aussi de façon verticale, Emet mi eretz tismar. Pourquoi? Pour te dire que la vérité, quand elle est au ciel, c'est magnifique. Mais elle est close. Elle est close. La vérité, quand elle est sur terre, quand, regardez la finesse du pasouk. Tismar, c'est quoi Tismar? C'est croître. C'est quoi? Qui c'est qui fait Tismar? C'est les cultivateurs. Quand tu jettes des grains par terre, c'est pas pour récolter. Je jette une tonne de grains, c'est pas pour récolter une tonne de grains. Sinon, je vais mourir de faim. Je jette une tonne de grains pour récolter 1000 tonnes de grains. Ça veut dire que, en jetant la Torah sur terre, la Torah elle-même va se multiplier. Comment? Parce que la Torah au ciel, elle ne dit que la vérité. La Torah sur terre, elle va se confronter à l'autre, aux mensonges, aux idéologies, à nous-mêmes, qui vont nous mentir à chaque instant. Et donc, il va falloir développer des discours de vérité face aux discours du mensonge, qui vont énerver et multiplier les discours de vérité qui vont eux-mêmes devenir Torah pour repousser le mensonge. Et donc, on a une multiplication, une Torah au carré, si vous voulez. Alors, c'est vrai que cette Torah, elle va être piétinée, comme les grains. Les grains, ils sont piétinés, ils vont pourrir. Ils vont s'éclater, ils vont être affreux. Mais après, ils vont germer de plein de blé. Eh bien, l'expérience du don de la Torah, c'est, entre autres, c'est ça. C'est le fait qu'à un moment donné, la Torah elle-même devient dans son... Ah, ben bravo. Il suffit de demander, je vois. Alors, regardez, on va le faire. Là. On peut dire horizontalement ou verticalement. Et donc, Korah avait une vision de la Torah au ciel.
Il avait la vision des anges. C'est pour ça que c'est un grand homme. Il avait la vision des anges. Il n'y a pas besoin d'autre chose. La Torah, elle est en soi, elle est minéoubé. C'est une sorte de bouddhisme judaïque. On a dans le centre de nous-mêmes la totalité. Et la Torah, et c'est vrai, mais c'est la Torah des anges. La Torah, pour être a besoin d'échange. On a besoin de noten, mekabel, noten. On a besoin d'échange. On a besoin d'être dépendant l'un de l'autre. On a besoin de donner et de prendre. On a besoin de donner et de recevoir. Si on casse ce système, pas que dans la vie, pas que dans l'argent, pas que dans l'émotion, pas que dans l'amour, dans le sens, dans la vérité. C'est l'essence même, c'est pour ça qu'il a dit, s'il meurt d'une mort naturelle, parce que la mort, c'est aussi, ça fait partie de la vie. La terre l'a absorbé comme pour nous dire, la terre l'a absorbé comme pour nous dire que la pensée de Korach était une pensée qui était la négation même de la terre. Il a été absorbé par la terre, comme pour gommer sa présence. Ça, c'est le fondement de Korach. Vous allez me dire quel rapport avec la beauté? Et là, on va voir que le rapport tout de suite. Comme d'habitude, pour les grandes questions, on a les concepts là sur Korach. C'est bon? Comme sur les grandes questions tout le temps, dans Korach, il y a toujours des contradictions. Il y a un texte qui parle de la beauté, qui dit que la Gemara, elle dit, tout celui qui, la Gemara, non, c'est Rabbi Yoshua Ben Gamla, je crois, il était proche de l'empereur. Et la fille de l'empereur se pensait, se voyait comme une philosophe. Et donc, elle discutait avec le rabbin. Et lui, il était très, très, très laid, mais vraiment laid. Et elle lui dit, avec Khutzpa, au grand rabbin, c'est un grand tana, elle lui dit, écoutez, comment ça se fait que Chorpa Mefoueret, Chorpa Mefoueret, Bekli Bechoir, comment ça se fait que vous avez une intelligence tellement incroyable dans un corps si dégoûtant? Lui, il ne se vexe pas. Il dit, où est-ce que ton père met le vin? Donc, il dit, il met le vin, avant ce n'était pas les tonneaux de bois, c'était dans les amphores. Dans les amphores? Les enfants, c'est les paysans qui mettent leur vin dans les amphores. Vous êtes la maison royale. Il faut mettre le vin dans des culs, dans des carafes en or ou en argent. Ah oui. Elle commence à l'appeler le sommelier. Ils mettent le vin dans le carafe en or et en argent. Il se passe ce qui se passe. Au bout de quelques jours, le vin a tourné. L'empereur goûte le pain. Il est furieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, c'est pas nous. C'est ta fille qui nous a dit de faire ça. Ta fille, il appelle sa fille. C'est pas moi, c'est le rabbi, c'est Rabbi Yoshua. Il dit, je voulais apprendre une leçon. Que si l'extérieur est beau, l'intérieur pourri. Alors, on a dit, chez vous, des rabbins très beaux. Rabbi Yochanan était très, très beau. Il dit, oui, mais s'il avait été moche, il aurait été plus rabbin. Encore plus de sadique. Donc ici, la beauté rend idiot. Là, on dit, toi, sois belle et tais-toi. Il y a comme ça l'expression en français, j'ai oublié, que plus t'es belle, plus t'es bête. C'est un peu des misogynies, mais c'est comme ça, les gens, ça renvoie quand même une certaine vérité. Alors, pourquoi est-ce que la beauté rend idiot? Pourquoi la beauté rend idiot? Vous avez quelqu'un le sait ou pas? Oui, mais c'est pas que la beauté. Ça peut être pour l'intelligence, ça peut être pour la richesse, pour plein de choses. Non, on parle de la beauté. Pourquoi la beauté rend idiot? Non, ça rend idiot. Au point où même les grands rabbins, s'ils avaient été moches, ils auraient été plus grands rabbins. On dit pas que des gens beaux peuvent pas être intelligents, bien sûr. On dit que la beauté est un facteur qui défavorise l'intelligence. On peut toujours après aller contre les facteurs. Mais pourquoi est-ce que, oui, allez-y. Bien sûr. C'est ce que je viens de dire, encore une fois. Prenons les choses avec finesse.
On ne dit pas que toute personne qui est moche est intelligente, toute personne qui est beau est bête. Bien entendu que non. On dit que le fait d'être beau est une épreuve pour l'intelligence. Oh, alors exactement, bravo. Ça veut dire quoi? Parce que l'intelligence, c'est quoi? Si je vous demande quelle est la qualité la plus importante pour être intelligent, c'est quoi? Alors ça, c'est un pléonasme. La réflexion étant la manifestation de l'intelligence. La qualité, je dis, la qualité qu'il faut pour être intelligent. D'accord? L'adaptation, oui, mais c'est plutôt, là encore, c'est un résultat de l'intelligence. C'est pas la cause. C'est pas la cause. Un, oui, un, certainement. Mais j'en cherche une autre. En réalité, c'est la même chose que celle que je cherche. Comment? La curiosité. Bravo. La curiosité. Ma, chochma, c'est koachma. Koachma, c'est la force du quoi, du questionnement. Or, il se passe, avec les phénomènes d'esthétique de la beauté personnelle, une sorte de mouvement centripète qui fait que tu es fixé vers toi et que tu es moins intéressé des autres. Le moche est affranchi du problème du regard de l'autre et donc il peut s'ouvrir à l'autre, il peut s'ouvrir à l'altérité, il peut s'ouvrir à des choses qui vont l'amener du savoir. Et ça, c'est très important. Ça va très très loin, cette histoire du regard de l'autre. Ce qui est une Gemara incroyable, si ce n'était pas une Gemara, je dirais que c'est de l'hérésie. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit que pourquoi est-ce qu'on appelle les marchéfim les sorciers des sorciers? Ils font un jeu de mots, makrishkai, parce que c'est des personnes qui ont la possibilité de nier Dieu. Comment? Quelqu'un devait mourir dans 10 ans, il va mourir aujourd'hui. Quand tu lis cette Gemara, tu dis c'est l'hérésie, il n'y a que Dieu qui décide de la vie et de la mort. La Gemara dit non. Le sorcier peut tuer la personne, même si Dieu l'a prévu. Rachid nous saute, pourquoi? Rachid nous dit pourquoi? Entre les lignes, Rachid nous dit pourquoi? Il dit parce que, quelle est la différence entre un homme et un objet? Un objet, je peux en faire ce que je veux, il est plié à ma volonté. Je peux le casser si je veux, je peux le vendre. Il n'a pas d'autonomie. Un homme, il est libre. Il a une autonomie, il a un destin. Il a quelque chose qui lui appartient que personne n'aura dû voler. Mais si tu crois au pouvoir du sorcier, bah, tu t'instrumentalises, tu deviens un objet dans ses mains. Tu deviens un objet dans ses mains, il peut te casser. C'est pareil pas qu'avec le sorcier, hein, je vous rassure. Enfin, plutôt, je vous rassure pas, le contraire. C'est pareil avec le patron, c'est pareil avec l'autre, c'est pareil avec l'entourage, avec ses parents, avec ses grands-parents, avec ses enfants, avec tout le monde. Si à un moment donné, je ne fais plus les choses, je fais les choses pour assouvir le désir de l'autre, et que ce désir n'a aucun rapport avec la vérité, avec le bien ou avec moi-même, je suis un aliéné. Et je perds mon autonomie existentielle. Je perds mon autonomie existentielle. Le problème de la beauté, c'est qu'on perd son autonomie. Non seulement existentielle, mais son autonomie cérébrale. Donc la beauté, catastrophe. Catastrophe dans le judaïsme. C'est pour ça que les juifs, très souvent, la beauté, non, non, c'est grec, comme vous l'avez dit. Si avec ce texte, on dirait tout va bien, il y a un autre texte qui dit exactement le contraire. Il y avait une fois un bel hasard qui était malade. Rabbi Yochanan va lui rendre visite. Il était très pauvre, un bel hasard. Il est dans une maison sombre, il n'y avait pas de lumière. Rabbi Yochanan était tellement beau, c'est une beauté aussi spirituelle, il fait comme ça, il détrousse sa manche et la lumière de sa chair illumine la chambre. Et il voit Rabbi Yochanan en train de pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas étudié assez la Torah? Amarbe, ben, mais que quelqu'un fasse plus ou moins, l'important, c'est les Shem Shamayim. Tu essaies de comprendre, c'est ça qu'il faut important. Il dit, non, non, je pleure pas pour ça. Ah, tu pleures parce que tu n'as pas d'argent? Non, Kulam Zahroub, je t'ai Shulchanot. Pas tout le monde a le droit au Lamaba, au Lamazé. Il y en a qui ne peuvent pas avoir. Mais il dit, l'argent, c'est rien, je mange ridicule. Je suis très riche avec le peu que j'ai. Je n'ai pas besoin d'avoir pour exister. Au contraire, moins j'ai, plus j'ai. Moins j'ai, plus la terre m'appartient. Alors pourquoi tu pleures? Parce que peut-être tu as perdu des enfants. Et il lui montre un os de son 10e enfant. Il dit, moi aussi, j'ai pas des enfants. Il dit, mais non, pas du tout. Pas du tout. Les gens naissent et n'ont qu'une seule chose, le temps. Les gens croient qu'ils existent absolument avec le temps, les yeux et les yeux. Pas du tout. Un homme né pour 10 heures, un homme né pour 100 ans, un papillon né pour 3 jours,
un éléphant pour 100 ans. On a que ce qu'on appelle aujourd'hui, ils ont trouvé ça, l'horloge biologique. Mais la Torah le dit depuis 3000 ans. C'est qu'en réalité, à la naissance, tu as déjà une horloge biologique. Chaque métabolisme a une horloge biologique, pas plus. On n'a que le temps, c'est le Gaon de Vilna qui dit ça. On n'a que le temps. Alors pourquoi tu pleures? Bah, je pleure parce que tu es beau. Un jour, cette beauté, elle va être pourrie sur la terre. Ah, tu pleures pour ça, alors moi aussi j'ai pleuré. Ils pleurent tous les deux. Donc là, on est la beauté, c'est tellement kadosh que non seulement, c'est plus. On ne pleure pas pour la Torah, mais on pleure pour la beauté. On ne pleure pas pour les enfants qui sont morts. On pleure pour la beauté. On ne pleure pas pour l'argent. On pleure pour la beauté. On vient de dire que la beauté, c'est des gourniches. Tous les grands thèmes de la Gemara, tous les grands thèmes abordés par la Gemara sont toujours abordés de façon contradictoire. Toujours. Parce que c'est la vérité, c'est comme les deux faces des chérubins, elles jaillissent de l'effort intellectuel de ne pas penser facilement à des deux côtés. Et de mettre en relation des contraires qui font paraître un dépassement, un off-oben, on dit en allemand, pour arriver à la vérité. Il y a une Gemara qui dit la contradiction au cœur même de l'histoire. Tu avais une fois Rabbi Akiva, que c'est Rabbi Akiva. Il a eu combien de femmes au moins Rabbi Akiva? Quelqu'un sait? Combien? Trois. Il a eu la fameuse Rachel, qui est la femme la plus admirable, d'après moi, de toute l'histoire du judaïsme. Elle était riche, c'était la Jewish princess, elle avait tout. Elle avait 18 ans. Il y a un 40 ans, fils de guerre, berger, qui connaît rien. Et elle voit le potentiel en lui, et elle sacrifie tout pour qu'il aille étudier la Torah. Et pendant 24 ans, elle ne le voit pas, et quand elle avait la peau mangée par la paille, elle n'avait pas de lit pour dormir. Elle n'avait pas de lit pour dormir. Elle a tout sacrifié pour la Torah, c'est incroyable cette femme. Mais en tous les cas, Rabbi Akiva, il y a eu Rachel, bien sûr, mais il y a eu une femme avant, d'où je sais, c'est un midrash qui dit que quand elle a envoyé Rachel pour étudier la Torah, son fils doit l'aider à porter ses affaires. Or, s'il avait un fils, on peut imaginer qu'il y a une femme. Même à l'époque, même si on dit qu'il n'était pas un grand ami de sa femme avant, c'était rare, l'union libre, au temps de la Gemara. Donc, il a eu une femme. Et troisième femme, c'est qui? C'était la femme du gouverneur romain, qui était la plus belle femme du Moyen-Orient. Miss Moyen-Orient. Et quand il voit Rabbi Akiva, cette fille, cette femme, mariée, hein, il pleure, il rit et il crache. Il rit parce qu'il voit Béroir à Kodesh. Il voit par l'Esprit Saint qu'un jour, cette femme se convertira et sera sa femme. Il s'est marié à la fin de sa vie avec une femme convertie, romaine, qui était très riche. Il pleure parce que cette beauté, un jour, pourrira sur la terre. Comme Rabbi Yochanan. Il crache. Il dit la beauté, c'est gourniche. C'est rien. Je ne laisserai pas omnibulé, je ne me laisserai pas, je cherche le mot, je ne trouve pas, ensorcelé par la beauté de la femme. Alors là, la contradiction, elle est dans le fait même. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? On crache ou on pleure? Ça rend idiot ou c'est la seule chose sur laquelle il faut pleurer? Et là, on arrive au dépassement des deux contraires, qui est la notion que le maral de Prague nous enseigne. Le maral de Prague nous enseigne. On est à Mitzvah. Il pose la question, comme toujours, le maral de Prague toujours pose des questions. Le maral de Prague, c'est génial, parce qu'il pose toujours des questions qu'on pose, que nous, on ne pense jamais à poser, qui ont l'air presque simplettes, et qui ouvrent des perspectives de sens incroyables. Et c'est toujours comme ça. Le maral, il pose une question en disant, hein, pourquoi, et vous savez qu'il y a une Mitzvah, une halakha, qu'on doit donner un tiers. On doit rajouter un tiers du prix d'un objet pour qu'il soit mégouda, pour qu'il soit beau. Des tefilines coûtent 3000 shekels. Achète des tefilines à 4000 shekels. Rajoute 1000, rajoute un tiers. C'est pas obligatoire, mais c'est comme ça que tu fais le hidour. Comme ça que tu fais le hidour. Alors il pose la question, moi j'aurais jamais posé cette question. Il dit pourquoi un tiers? Pourquoi pas un quart? Pourquoi pas le double? Pourquoi un tiers? Il dit que le tiers, c'est par rapport aux trois âmes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, alors cinq âmes, mais on va dire nous trois âmes, trois niveaux plutôt d'âmes. Il y a le nefesh, qui est l'énergie divine
qui donne la vie, sans ça il n'y a pas de vie. Il y a le roi, qui est la personnalité de la personne, le grand divin dit, c'est la parole, c'est la personnalité, c'est la subjectivité de la personne. Il y a la neshama qui est l'éternité. Pensée, parole, acte. Il dit, le tiers, c'est par rapport à l'âme. La beauté donne une expérience de frisson, d'émotion purement divine qui n'est pas liée à la consommation ni aux besoins. Vous verrez jamais, jamais, un animal, jamais, s'extasier devant quelque chose de beau, parce qu'il n'a pas de neshama. Vous pouvez faire ce que vous voulez, un chat le plus intelligent possible, vous lui mettez du Mozart, il s'en fiche royalement. Vous ne verrez jamais une baleine sortir le museau sur un coucher de soleil, comme c'est bon. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Comme ils n'ont pas d'âme, il n'y a pas le frisson et l'émotion pure, désintéressée. On peut avoir des émotions qui sont liées au désir, qui sont liées à la consommation, qui sont liées aux besoins. On peut sublimer toutes sortes de besoins. Il y a des psychologues qui nous disent on n'aime personne, on n'aime que soi, on aime les autres parce qu'on a besoin, on a peur d'être seul, blablabla. On peut trouver des causalités psychologiques et psychanalytiques pratiquement à toutes les émotions et à toutes les raisons. Pas à la beauté. Je mets au défi, ils ont trouvé une théorie comme quoi l'homme a besoin de sortir du réel, d'un matériel. On va toujours trouver une théorie. Mais moi, je vous dis la vérité de la beauté, c'est que c'est une pure émotion de l'âme. Et donc, ça, oui, allez-y. Ben là, on parle de ça, on parle de la femme qui était encore Goya. Il la trouve belle, et il pleure. On parle pas de toute la beauté de la pédimute. D'accord, mais c'est pas pour ça qu'il pleure. On parle de la beauté de Rabbi Yohanan qui n'a pas pleuré sur sa Torah, il a pleuré sur sa beauté physique. Oui, mais ça n'empêche pas, il y a une halakha que tu fais une bracha sur une femme belle, si tu es au niveau. Non. C'est pas la beauté, c'est la parade. C'est très intéressant ce que vous dites. Il y a chez les animaux la notion de la parade. Mais la parade, elle n'est pas liée à une émotion de l'âme. Elle est liée justement à une incarnation du désir. Ça veut dire que vous, chez les animaux, il y a une façon figurative d'anticiper le désir, le plaisir, qui passe par les parades. Vous l'avez d'ailleurs chez les singes aussi, chez les grands singes. Hein. Il y a la notion de la parade. On l'a pratiquement chez tous les animaux. Il y a aussi des fois des, quand on connaît des chats. Quand, ils poussent des cris terribles, mais quand c'est le printemps, il y a tout un moment de tension, c'est la parade. C'est un autre concept. Non, les chats, c'est pas une tzadéquette, au contraire. Les chats, c'est pas une tzadéquette, c'est au contraire. C'est la femme étrangère qui t'attire pendant la guerre. Oui, oui. Mais, c'est ce qu'on a, une fois, M. Chapéral a posé la question, il avait dit, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement sur la beauté qu'est-ce qu'on fiche de Rachel? Il dit, parce qu'un tzaddik total, il a tout. Il a aussi cette dimension esthétique. C'est vrai, alors, c'est sûr, on va arriver à ça. On va arriver à ce problème du bon et du beau. Mais avant tout, il faut savoir que l'expérience de la beauté est une expérience spirituelle. Et c'est la seule chose sur laquelle on pleure. Parce que c'est la seule chose dans le monde qui est en même temps divin et en même temps éphémère. Ça n'existe pas quelque chose de divin qui soit mortel. La beauté, c'est la seule chose qui est en même temps divin et mortel. Et éphémère. C'est pour ça que c'est la seule chose dans laquelle on pleure. On pleure pas sur la Torah, parce que la Torah est éternelle. On pleure même pas sur les enfants, parce que chacun a vécu ce qu'il est éternel. On pleure bien sûr pas sur l'argent, on s'en fiche complètement. Mais on pleure pas! On pleure sur la beauté! Parce qu'elle est perdue à jamais. Elle est perdue à jamais. La mort, la vieillesse, toute la beauté, c'est un moment de grâce dans la vie qui, à un moment donné, s'en ira. Et c'est un moment de grâce qui est lié à la divinité et qui, en même temps, est éphémère. Et donc, on a l'autre point de la beauté. Au contraire, le Gaon de Vilna dit la dernière phrase, « Hi tita halal » il dit « Hi keri » si elle est tzadéquette, il faut qu'elle soit belle. D'ailleurs, moi, je dis, quand je cherche des femmes,
et que les femmes se présentaient. Il y avait à tout Béa, c'est un des jours les plus joyeux. Aujourd'hui, personne ne fait ça, parce qu'on est tous des brutes, mais à l'époque, ils étaient assez fins, où les femmes sortaient dans la rue, habillées tous de robes blanches, pour qu'il n'y ait pas de différence sociale. Il n'y avait pas la belle robe pour la riche, hein. Tout le monde de robe de lin. Et elle disait, épousez-moi pour ma beauté. La première, c'est la beauté. Après, elle va dire, épousez-moi pour mon ichus, pour ma généalogie de tzaddik. Après, pour mon argent. Et la dernière, elle disait, épousez-moi, j'ai rien, mais épousez-moi pour la mitzvah. Donc, les tzaddikim allaient à ce qui était moche, fauché, tout ce qu'ils voulaient pour la mitzvah. Bon. Mais en tous les cas, la première, c'était la beauté. Alors, c'est ça qu'on explique maintenant. On va expliquer ça maintenant. On va expliquer que la beauté, elle existe en soi. Maintenant, quand elle n'est qu'au taux, quand elle est solitaire, c'est comme Korah. C'est là où on va retrouver Korah. C'est là où on va retrouver le début de la conférence. Je suis désolé, il faut que je parte sans régler plus long, parce que ça, il y a un petit développement à faire, mais j'ai une rabrouta à 10h15, donc je suis obligé de partir à 10h-5, donc il nous reste 5 minutes. Donc, mais, bon, on aura dit l'essentiel de toute façon. Donc, la notion, si la beauté est une qui est un reflet de Dieu, qui est le Tselem Elohim. Au niveau physique, encore une fois. On a du mal à comprendre. Vous êtes très juifs. Les juifs ont du mal à comprendre ça parce qu'ils ont tellement été dans la primitive qu'ils ont oublié qu'il y a dans la physicalité de la beauté, il y a dans la nature elle-même, il y a dans la facticité du beau, un reflet divin qui n'a pas de profondeur métaphysique. Ça existe en soi. Ça existe en soi. Vous regardez un oiseau, il est beau en soi, il est divin en soi, il n'a aucune limite. Vous regardez un poisson, certains poissons, ils sont beaux en soi. Vous regardez un coucher de soleil, il n'y a pas de limite. La limite, on la fabrique, non. Oui, bien sûr, il y a de limite, mais il faut faire très attention de ne pas focaliser la spiritualité dans une négation de la vie. Non, mais on a tendance à ne voir la profondeur, la spiritualité, que quand on a abattu la forme. C'est une grave erreur. C'est une erreur qui n'est pas grave, en réalité. C'est une petite erreur. Mais c'est une erreur tout de même. C'est vrai que c'est une erreur avec de bonnes intentions. Parce qu'on se méfie du piège de l'artifice, de la superficialité, et qu'on va aller dans la profondeur tout de suite, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a dans la surface même de la divinité, il y a des limites, parce que de Rabbi Nachman, il y a du Sechel partout. Or, le piège, c'est pas de dire que la beauté, c'est pas réel, il faut de la profondeur, il faut de la métaphysique, il faut de la spiritualité, c'est pas ça le piège. Le piège, c'est quand cette beauté s'auto-proclame suffisante, comme Korah. Et là, on tombe dans l'imbécilité, carrément, et on tombe dans le piège de l'autosuffisance d'une partie divine qui est en nous, qui est sur nous. On est tous beaux, en fait, comme elle dit, Ketzad Meraklim, Riflakala, Alakha et Kabetilel, sur l'intersubjectivité. Ou même si toi tu la trouves très moche, tu dois dire, elle est magnifique, Takala. Pourquoi? Parce que s'il veut l'épouser, c'est qu'il l'a trouvée belle. Et je dois être capable, moi, elle dit, si d'Atrab, Mourav, il m'a briote, une datoche à briote. Les Olam, il y a d'Atram, mais j'ai oublié la formule. Les Olam, il y a d'Atram, mais il m'a brillé. Soit que ton âme, c'est extraordinaire, cette phrase. Les psychologues, ils ont inventé l'intersubjectivité comme s'ils avaient découvert l'Amérique. L'Agma, c'est là. Il n'y a pas de meilleure formule que l'intersubjectivité que l'Agma. Toi, tu la trouves abominablement moche. Ton copain la trouve belle. Tu dois la trouver belle. Moi, je la trouve moche. Si. Sois assez intelligent, assez, moins nombriliste et moins égotiste. Pour sortir de ta conscience, pour essayer d'épouser un autre angle de vue, un autre angle d'émotion même, et sois capable d'éprouver l'ébahissement esthétique de ton copain, même si toi tu la trouves affreuse. Il n'y a pas de meilleure définition que l'intersubjectivité que ça. Et donc la notion, alors ça va être ça. Si on est capable, si on greffe, on fait de la beauté la centralité de l'existence et de la réflexion, on tombe dans l'imbécilité. Dans l'imbécilité. On tombe dans la tipshut. On se barre la route de l'altérité, de l'étonnement de l'autre, de l'altérité, de la possibilité même de l'exercice de l'intelligence. Mais si la beauté est conçue comme un reflet dans le monde lui-même de Dieu, dans le monde comme la présence de Dieu,
comme les signes aussi de Dieu, comme c'est qui sait, qui fait infléchir la barre de la méritza des 10 amotes, comme la Gemara dans Souka, alors la beauté c'est magnifique. Et c'est pareil que là. Là, le problème dans l'art, quand Moshe frappe le rocher, Dieu le punit d'avoir frappé le rocher. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû le faire par la parole. Pourquoi? Parce que l'acte créatif cache le créateur. Alors ça, c'est la troisième partie, la dernière partie, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous ouvre la réflexion. Dans l'art, il y a un art, et on le retrouve d'ailleurs aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'est pas loin des temps Machiach, avec un certain art contemporain, pas tous, parce qu'il y a il y a un grand bluff de l'art conceptuel, de l'art abstrait, mais il y a quand même certaines choses qui essayent d'échapper justement à certaines choses qui sont intéressantes par rapport à toi. Il y a deux façons de faire de l'art exactement en symétrie par rapport à la beauté. Il y a une façon de faire de l'art où la génialité du créateur devient l'objet lui-même de l'art. Et là, on est dans un corps total. On est dans une tautologie absolue qui ferme les lignes de fuite de l'infini et de la vérité. Et on est parfois même inconsciemment, pas forcément chez les religieux d'ailleurs, dans une posture artistique qui comprend le danger de la socialisation de l'acte créatif et qui est capable de s'effacer dans l'acte de la création pour laisser apparaître les lignes de fuite qui font le clignotant de l'éternité et de la divinité. Et il y a deux formes d'art. L'une qui est compatible avec la Torah et une qui est incompatible avec la Torah. Comme toute chose, d'ailleurs. On finit là assez brutalement parce que les impératifs de temps nous y obligent, mais on a au moins ouvert des actes de réflexion. Mais en Hachem, on continuera peut-être une autre fois.